C'est hyper cool. Déjà, ça se passe bien parce que, comme je t'ai dit, on est une bande de potes. Donc, c'est des gens vraiment qui sont mes amis avant d'être des collègues de travail. Donc, l'ambiance est hyper cool. En plus, on est dans un groupe où on est vraiment à se motiver les uns les autres. Tu vois, quand il y a des trucs qui vont pas, je pense qu'on se le dit. Quand il y a des trucs qui vont, on se le dit aussi. Et ça fait vraiment avancer. Tu vois, c'est une bonne dynamique de travail et puis bon esprit. On s'encourage ensemble, on est à peu près tous dans le même délire de vie, tu vois. Ça se passe vraiment bien. Ça permet de vivre aussi de la musique, donc c'est hyper cool. Mais au-delà de ça, même si c'est le premier point que j'aborde, c'est vraiment ce qui n'est pas le plus essentiel pour moi, c'est que je suis tombé dans un groupe. Dans mon orchestre privé, de soirée privée, ça s'appelle Version Originale. Et je suis tombé dans un groupe de folie parce que j'ai que des potes aussi. Et vraiment, on est dans la dynamique de faire. Ok, c'est de la soirée privée, ok, on fait des mariages, des trucs comme ça, mais c'est pas pour autant que la musique, ça doit être pourri, tu vois. Et là, on est dans une dynamique où on essaie de créer un vrai show, de bien jouer. Et j'ai la chance d'être entouré par des musiciens hyper talentueux, tu vois. Donc je le vis vraiment bien cette expérience. J'adore le groupe avec lequel je suis. Ça permet aussi de gagner sa vie, de continuer à faire ce métier-là. Moi, ça m'a permis d'être intermittent, tu vois. Donc c'est que du positif pour moi. J'ai la chance de jouer sur une magnifique référence pure de chez Pearl et vraiment je suis hyper heureux parce que c'est jouer avec du matériel comme ça, franchement ça me facilite tellement le travail, c'est un truc de ouf. Donc la batterie elle est magnifique. J'ai pas mal été influencé, je vais pas te mentir, par Brian Frazier-Moore et par Devon Taylor en fait, qui l'utilisent aussi j'allais dire Matt Pokora, mais sur Justin Bieber et Justin Timberlake. Brian Frazier-Moore, je suis pas sûr qu'il a la référence pure, il a peut-être la référence, et il me semble que Devon Taylor, il a la référence pure aussi, en noir mat, justement, sur Justin Bieber. Et tu sais, tu vois, il poste tellement de trucs en ce moment sur Instagram, il est partout ce gars-là, donc ça m'a influencé énormément, parce que déjà, la batterie, je la trouve très belle, et parce que je trouve qu'elle sonne, de ouf, tu vois. Voilà, je suis vraiment béni d'avoir des instruments comme ça. Donc j'ai ça aussi, j'ai Ziljan pour les cymbales, j'ai Vic First pour les baguettes, des Extreme 5A, et j'ai Evans pour les pots. Donc bon, c'est des marques que je joue depuis que je suis petit, tu vois. Donc non, vraiment c'est top, j'ai de la chance, j'ai vraiment de la chance.